Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau PEPS Live. PEPSWORK est une agence de conseil marketing spécialiste en nutrition, sport et santé. Et en cette période de confinement, nous souhaitons rester connectés à l'actualité de nos marchés et à vos côtés. C'est pourquoi nous vous proposons de courtes capsules vidéo d'acteurs qui font bouger les lignes. Et c'est pourquoi nous accueillons aujourd'hui Justine Leron, co-gérante du laboratoire Nutrilis. Bonjour Justine. Bonjour. Justine, comment est-ce que vous gérez actuellement les lancements de produits que vous aviez prévu de faire en ce premier trimestre? Alors, il faut savoir que c'est un laboratoire de nutraceutique qui est notamment assez focalisé sur le bien-être et l'immunité. Donc, cette crise actuellement du coronavirus nous a particulièrement affectés personnellement, mais également notre clientèle. Du coup, nous avons essayé de réorganiser notre activité afin de pouvoir répondre aux besoins de la clientèle, mais aussi poursuivre, nous, notre développement. À ce titre, nous avions prévu de lancer un nouveau packaging et une nouvelle identité visuelle. Donc, nous avons profité de cette période où tout le monde reste un peu chez lui pour pouvoir communiquer sur cette nouvelle identité visuelle en utilisant les moyens que nous avons à notre disposition, qui sont les réseaux sociaux, mais également les mails, les newsletters. Et c'est comme ça que nous sommes restés en contact avec nos clients. C'est bien, donc vous continuez vraiment d'avoir ce lien privilégié. Donc, vous répondez déjà à ma question, mais en cette période de confinement, quelles sont vos initiatives pour continuer d'insuffler du PEPS à votre entreprise et vos clients? Eh bien, en fait, nous avons articulé du coup notre activité durant cette période sur trois piliers qui sont déjà des piliers fondamentaux, mais que nous avons renforcés. L'information, le conseil et l'écoute. L'information, car nous avons la chance d'avoir un très beau réseau de thérapeutes et nous avons notamment organisé des webinaires avec l'aide de thérapeutes pour continuer à informer nos clients sur cette logique de nutri-prévention et de nutri-thérapie si importante dans cette période actuelle. Nous avons également maintenu une écoute auprès de nos clients. Nous avons une écoute permanente, qu'ils soient téléphonique ou mail, et nous répondons à toutes leurs questions. Et enfin, nous avons un conseil, car nous avons la chance d'avoir conseillères santé qui sont disponibles pour répondre à toutes les questions que se posent nos clientèles et nos thérapeutes afin de les aider dans cette période à mieux prescrire et recommander nos produits. D'accord. C'est vrai que Nutrilis a une démarche d'innovation qui est quand même assez soutenue durant cette période un petit peu compliquée. Est-ce que vous poursuivez, est-ce que vous continuez votre stratégie d'innovation ou est-ce que c'est une autre parenthèse? Oui, alors maintenant, nous avons essayé de maintenir en fait justement cette activité car c'est nécessaire pour le bien-être de l'entreprise, mais aussi pour nos clients. Nous avons une vraie démarche de sourcing, c'est-à-dire de recherche sur toute la planète des meilleurs composants, des meilleurs produits, de la qualité exceptionnelle pour fournir à nos clients des compléments alimentaires qui répondent à leurs besoins. Donc, nous continuons cette logique de sourcing à notre échelle. Également, nous continuons de rechercher des partenariats, qu'ils soient publics ou privés, pour gagner en visibilité et faire connaître nos produits. Bon entendeur. Et Justine, alors une dernière question. Comment est-ce que vous anticipez déjà, dès maintenant, l'après-crise? L'après-crise, c'est quelque chose que nous essayons de planifier. Nous sommes vraiment à l'écoute de notre clientèle. Du coup, nous tentons de connaître leurs besoins, mais également ce qu'ils souhaitent voir développer, que ce soit en termes de produits ou en termes de services. Nous avons donc mis en place un site pour les professionnels afin qu'ils soient informés de notre développement. Mais également, nous essayons auprès de nos clients à nous mettre à leur portée, à leur proposer des prix qui soient avantageux, comme des promotions. Nous avons à ce titre gelé notre promotion durant toute cette épidémie afin de leur permettre de pouvoir s'approvisionner en produits sans connaître de difficultés. Et également, nous leur posons pas mal de questions via une newsletter ou via notre site ou notre blog afin de pouvoir connaître leurs besoins et de savoir quels produits ou quelles pathologies nécessitent nous, notre action et notre développement en complément alimentaire. Je remercie Justine pour votre témoignage. Vraiment bon courage à toute votre équipe pour ce confinement et ce temps un peu particulier. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de suivre la page LinkedIn de l'agence pour suivre nos prochains PEPS Live. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci, au revoir.